Ok. Aïe! Un salopard. Oh, ça va toi? Terrible. Terrible nombre de balles, hein. Putain, sérieux? Presque à court. Putain, mais lui, on voit que sa tête est charrée. Eh bah putain! Sérieux, toi? On en est là? Ok. Compliqué. Hop. Merci. Chiffon quantité max. Récupérer quelques munitions derrière. Normalement, j'ai de quoi me craft quelques bandages. D'ailleurs, pourquoi pas le faire en vrai? Catégorie, non. Hop, c'est là. Médecine. Oh, j'aurais pu utiliser ça. J'avoue que j'aurais pu utiliser les cocktails pour une fois. J'y ai pas pensé. My bad, c'est ma faute. Très bien. On peut continuer. Juste aller récupérer ce que le sniper avait. Peut-être qu'il avait des munitions. Allez, régale-moi, frérot. Putain, il n'avait qu'un chiffon sur lui. Cet enfoiré. Et je vous avais dit quoi la dernière fois? Je vous ai dit ça, c'est un putain de bon spot de survie. Eh ben ouais, c'était pour la mission, forcément. Ok. Maintenant, vous, libérez-le. Il l'a tué. Ok. Je vais tous vous désinguer, hein, bande d'enfoirés. Hein. Vous allez voir comment ça se passe ici. Hein. Oh putain. On va passer par ici, un petit raccourci des familles. Et ben voilà, regardez. Il est beau. Il est beau ce putain de nid. Donc on va très vite le brûler. Voilà. Allez, tous les nids ont été détruits. 50% de Marion Fork. Ça c'est cool, les Hot Springs qui montent encore. Putain, quel plaisir. Ok. On reprend un petit placement sympa. Parce que je peux presque jouer avec les infectés en vrai. Ok, 3. Ça tire à balles réelles, hein, par contre. Hein. Ouh! Désolé, mon pote. Hop. Oh, lui, il est gourmand. Ok. On s'enflamme vraiment, là? Vous en êtes là? Complètement malade, hein. Tout le monde est timbré ici, hein. C'est bon, j'ai compris. Vous m'aimez pas. Ok. Terrible. Ingérable. Ingérable cette arme. Ok, mate ça. Hop, c'est cadeau, hein. Vache. Sors ta petite teuté, frérot. Je veux un tir de couverture. Comment ça, mais tu recules? Mais t'as cru t'étais où, cousin? C'est terrible! Il y a beaucoup de monde, hein, quand même. Il cherche la foudre. Hop, ferme-la. Je t'en prends ça. Ok! Bon! C'est compliqué!
Trouver un moyen de rentrer dans la maison. Oh putain. Pas évident, vraiment pas évident. Comment elle fait pour sortir? Ok, ça c'est fait. On va fouiller tous les cadavres. On va fouiller la voiture de flic. Et en plus, la ville va être safe maintenant qu'il n'y a plus les nids. Donc, ça sera un point de passage sans aucun problème. Hop, beaucoup de munitions, voilà. J'en attendais pas moins, mon pote. Encore des munitions, voilà. J'en attendais pas moins, mon pote. Un chiffon, j'en attendais pas moins, mon pote. Ok. À savoir que quand même, ma moto est relativement loin. Va falloir trouver un moyen de rentrer là-dedans. Par où passer? Ok. Non. Non plus. Non plus. Une échelle, c'est ça. Ah, une échelle, c'est ça qu'il a dit. Il est tellement mignon. Il est tellement mignon. Ah oui, il faut que je mette l'échelle ici, je suppose. Très, très, très mignon. Mais ton échelle, frérot, comment on fait? Il y a que des planches en bois. Le camp que j'avais détruit, il y avait un bunker. Va falloir qu'on y retourne. Quelqu'un voit une échelle? Oh putain, allez. Oh là 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 là, je peux bouillir très rapidement. Je allez. Peux bouillir très rapidement. Je vais la poser ici. Allez. Alors, gamine, voyons où tu te caches. Autant, c'est pas méchant, hein. Mais putain, autant laisser une échelle comme ça, en fait. Qu'est-ce qu'on sent? Enfin, ouais, bref. Alors, gamine. Ah, je me suis trompé de touche. Gamine, gamine, gamine. Hé, hey, n'aie pas peur. Je te ferai aucun mal. T'es toute seule? Y'a personne d'autre avec toi? Oh la vache. Ok. C'est ta chambre? C'est sympa. C'est à toi, ça? Non! Lisa? C'est à moi! Je l'ai gagné en gymnastique. J'aurais dû finir première, mais Missy King... Lisa! Lisa, t'as entendu les coups de feu dehors? T'es pas en sécurité ici. J'étais alors tu à vas. Et puis ma mère m'a appelée pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partirait ensemble et. Mais quand je suis arrivée, il y avait un mot, ils étaient partis avec des gens. Et moi, je savais pas quoi faire, alors. Alors je me suis cachée et je. Je savais pas quoi faire. Ça va, t'en fais pas. Lisa, il y a un camp, pas loin d'ici. Il faut que tu me laisses t'escorter là-bas. Il y a des gens là-bas. Il y a des gens, je les connais. Je vais pas te mentir, c'est un camp de travail. C'est, enfin, il faut travailler pour manger, c'est pas le paradis. Mais au moins, tu mourras pas de faim. Non, ma mère va venir me Est-ce chercher. Que, ok, c'est ta mère? Tu me dis qu'elle est jamais revenue, c'est ça? Alors, elle est peut-être au camp, si ça se trouve. Maman, elle est au camp. Oui. Oui, j'en suis sûre. Ok. Reste avec moi. Scénario mis à jour. Très bien. T'as pas de soucis à te faire. J'entends beaucoup de. Ouais, si. Ils si. Y'a des infectés, t'as du souci? Des gens malades. Non, y'a du souci, hein, les gars. Non, c'est trop, wesh. Viens, ma soeur. On décolle. Viens par ici. Putain, je croyais que j'avais défoncé tous les nids, vous abusez! Elle était maline, hein. Elle a réussi à survivre quand même, hein. GG de ouf, hein. Allez, suis-moi. Suis-moi. Normalement, elle peut pas se faire cramer, c'est un bot. Ça serait con qu'à cause d'elle, je me fasse griller.
Ah. Attends, ma grande, on a d'autres problèmes là. On va passer calmement par ici. Très bien. On va passer calmement. Ok. What? Un ours, cousin? Non, mais arrête, il mange devant ma moto! Tu vas voir. Ça devrait faire l'affaire. Ok. T'as voulu jouer, mon pote? Ok. Attends, mais d'où... Voilà. Aïe! Qu'est-ce que je suis censé faire contre un putain de... What the fuck? Ma vie est nulle. Ok. Et rentre au calme. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Oh putain, matériau Rocky. C'est la merde. Ah ouais, mais gros. Ah! Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors là, si l'ours, à moins que l'ours ait appris à monter une putain d'échelle, je comprends pas. Ok. J'arriverai jamais à le tuer. J'aurai jamais assez d'armes. Je comprends pas le projet en fait. Ok, sniper. Je sais même pas si les dégâts sont localisés. Oh, dur. Ok. Oh. Ok. Au moins, les balles ont été utilisées. Bon. Ok, petite cascade. What? Attends, à quel moment j'ai plus de... Ah putain. Ok. Douce putain, douce. J'ai peur. Vas-y, viens. Allez, bolos. Hop. Évidemment, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok. Bonne chose de faite. Hop, ça en ramasse. C'est chaud. C'est chaud. Niveau balle, niveau tout. C'est très très chaud. Calmez-vous tous, s'il vous plaît. Direction la poubelle. Oh putain, la con. Direction la moto. Allez viens, ma grande. Faut qu'on bouge. Je sais pas trop. Allez. Au fait, comment tu t'appelles? Allez, on est parti, direction notre objectif. Je m'appelle Deacon. Lisa, comment t'as fait pour survivre ici tout seul? Aussi longtemps. Ok, elle répondra jamais. Mon père collectionne les pierres. Il m'emmenait avec lui pour chercher des géodes. Des géodes? Qu'est-ce que c'est? C'est comme des pierres,
Quand on les ouvre, c'est très beau à l'intérieur. Son okay. Baron, c'est Dr. Nozman. Ça a l'air cool. On allait un peu partout. Au cratère de Belknap, à la coulée de lave, et au cratère noir, partout. Tu crois qu'il est aussi au camp? Je sais pas, petite. Oh putain, y'a un autre tunnel. Oh non, les gars. Non, moi, les tunnels, j'ai assez donné, hein. Je comprends pas, on est venu ici, on n'a jamais traversé le tunnel. À quel moment, Ah, je crois qu'il y avait une voiture de fuite. Y'a quelqu'un dans le tunnel. Quoi? Tiens, descends. Qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, les coups de feu que t'as entendus, c'était des gens, c'était des gens pas bien, tu comprends? Très bien. C'est fort embêtant. C'est pas comme si niveau balle j'avais quasi rien. Tiens. Quoi de neuf? Reste ici et trouve-toi une cachette. Sors pas avant que je te le dise, d'accord? Attends, Lisa, hein, tu commences à me casser les couilles, là. Hein. C'est vrai que là, on n'est pas cramé, hein. Nickel ta cachette, Lisa. On apprécie tous. Ok, on va se refaire une batte de baseball. À foutre. Ah oui, d'accord. Vas-y, rentre-lui dedans. En bas terre. Tu vois où les tonneaux explosifs, là? Je vois que tu te caches. Il bouge pas. Va le choper. Attention. Oh putain. Non. Fuck. Sérieux, les gars? Vous faites chier! Pourquoi vous me faites passer par là? Je veux faire des cascades! Je suis un gars de la nature, putain! Hey, une moto de tracteur! Touché! Rentre, saloperie! Ok. Couvrez-moi! Ok, regardez ce qu'on va faire. Cocktail de santé, cocktail d'endurance. Allez, mon pote. Cocktail d'endurance activé. Regarde bien. Normalement, l'endurance revient beaucoup plus vite. J'ai besoin de couverture. Il va manger. Bon bah voilà! Lisa! Petite! C'est bon, tu peux sortir! Allez, c'est jamais planqué, hein. Voilà, 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 voilà! Comment perdre ses munitions? On a fait un massacre en vrai, hein, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Va falloir me redonner beaucoup de munitions là quand même, s'il vous plaît. Ok. Bonne chose de faite. C'était pas évident, c'est vraiment pas évident, pour être très honnête avec vous. Mais on l'a fait, et ça c'est beau. Allez, go. Lisa. Allez, monte. Lisa, 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 il faut venir, sinon je peux pas démarrer la moto. Ok, je me suis fait soigner. Allez, on y va. Oui, oui, je crois que je préfère rentrer chez moi. Non. Non, petite, on va au camp. Tu seras en sécurité là-bas. D'accord. Fâche. Ok. Voiture de flic. Ça par contre, je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai tiré, je ramasse immédiatement. C'est bizarre mais parce que j'ai l'impression qu'il y a une hausse de difficulté d'un coup juste en une seule mission. Assez terrible.
on peut partir. Waouh! Insane en vrai. Là, je suis à 50 minutes de record, hein. Je sais pas comment je vais m'en sortir. C'est très important. Tes voisins, est-ce qu'ils avaient des armes à feu, genre des revolvers ou des fusils, des trucs de ce genre? Non. Des hommes sont venus tout prendre. Des hommes? Comme ceux du tunnel? Ou est-ce qu'ils portaient des uniformes un peu comme à l'armée? On aurait dit l'armée. Mais ils étaient très sales et ils s'étaient fabriqués des drapeaux. Ça disait « Milice du comté de Deschutes », je crois, je sais plus. Ils avaient du monde avec eux? Des femmes ou des enfants? Pas, hein. Je me souviens pas. Pas ok. Pas, Tommy se souviendrait. Tommy? Tommy Strickland, mon meilleur ami. Mais il est parti. Il est allé se cacher avec son père. Se cacher? Son père avait construit un abri anti-atomique et stocké plein de choses dedans. Des plans, des vivres, des armes, ce genre de trucs. Ah, d'accord. Tu sais où il se trouve? Non. Ils voulaient que je vienne avec eux, mais je savais que mes parents reviendraient me chercher. Allez, on est enfin arrivé! Incroyable! Il était temps, j'ai envie de vous dire. Et là, il y a des nids infectés, donc on va s'en occuper dès qu'on peut. On va fouiller un petit peu la zone. Et puis ça devrait le faire. On reviendra, c'est juste à côté de ce camp. Et puis on customisera un petit peu aussi la moto, ça pourrait être cool la prochaine fois. Pas mal de choses à faire, encore une fois. On est arrivé alors. Reste avec moi. Ok. Allez, on va se garer là-haut, comme des chefs. Tiens, tiens, qui revoilà? Madame Tucker. Oh mon Dieu. Lisa, ma chérie. Oh, tout va bien. T'es en sûreté ici. Papa et maman, tout le monde est tombé malade et je savais pas quoi faire. Des hommes sont venus. Tout va bien. T'es en sûreté maintenant. C'est un miracle. C'est un miracle, nom de Dieu. Nous étions voisines, pas vrai, Lisa? J'habitais le même pâté de maison. Je connaissais ses parents. Ils sont ici, Madame Tucker? Mon ange, tu connais la réponse. Non. Ils sont pas là. Viens, entrons. Tu pourras te laver. Et manger un bout, et puis je te trouverai un lieu où dormir. Emmenez-la, donnez-lui à manger. Va voir Alkaï. Je te verserai tes crédits ce soir. Hé, hey, écoute, elle en a vraiment bavé, alors vas-y, mollo. C'est moi qui décide comment je dois... Oh, écoute-moi, sérieusement. La fais pas trimer comme tous les autres. Tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp. Le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer, t'auras peut-être ton mot à dire. C'est pas le moment de te dégonfler, Dick. Allez, on va voir Alkaï! Et on va pouvoir s'arrêter là, par la même occasion. Nouvelle mission débloquée à 1,5 km. Damn! Bon, on va pas aller le voir tout de suite. On va juste s'arrêter là, tout simplement. N'oubliez pas, un max de j'aime, un max de commentaires. Cette vidéo sera coupée en deux. Vous les aurez donc un jour après l'autre. A bientôt tout le monde! Ciao, ciao! Je vais patrouiller un peu.